J'ai commencé l'aviron par un stage découverte à la ville du Havre. Donc après, on m'a invitée à essayer au club. Alors là, je suis tombée amoureuse de ça. Donc, et depuis, je ne m'arrête plus. J'aime pas la solitude. Donc on m'a fait ramer à chaque fois en bateau, donc à 2, à 4 ou à 8. Et après, j'ai été obligée de commencer à être toute seule, donc à faire du skiff. Et après, j'ai commencé à faire mes premières compétitions en skiff et j'ai bien aimé. En 2013, j'ai fait championne de France avec beaucoup d'avance par rapport à la deuxième. En cadette 1, j'ai été surclassée en junior pour faire les championnats de France. Donc, où là, j'ai terminé 5e, sachant que les filles avaient 4 ans de plus que moi. L'année dernière, j'ai fait championne de France aussi en cadette. Ils m'ont laissé surclasser et ils m'ont emmenée au championnat du monde. Donc c'était à Hambourg. Et là, j'ai fait la course des remplaçantes et je suis arrivée 2e. J'ai ma famille qui m'aide, j'ai mon entraîneur, j'ai mes amis qui me soutiennent. C'est quelqu'un qui va au bout des choses, et dans ses entraînements, et dans la façon de vouloir acquérir sa technique. Les objectifs cette année, c'est de conserver son titre en cadette, de faire le titre de championne de France en junior, et de participer au championnat du monde junior, et de faire la meilleure performance possible. Alors, le rêve de Margot, c'est d'être médaillée. Moi, je vais dire plutôt qu'elle soit déjà finaliste au championnat du monde junior. Après, il lui restera 2 années junior pour essayer de faire des médailles. Cette année, j'ai repris avec un championnat de France à l'intérieur. Donc c'est sur l'ergomètre, c'est sur la machine. Où là, je suis arrivée aussi championne de France et j'étais en cadette 2. J'ai participé aussi aux Étoiles du Sport en décembre. C'est Stanny Deler qui m'a invitée. On a skié ensemble et on a rencontré des grands champions qu'on voit à la télé, où nous on est fans et qu'on n'ose pas leur parler. Enfin, je m'entraîne 6 fois par semaine, donc ça fait à peu près 1h30 par jour. J'aime bien me surpasser et aller au bout de moi-même et avoir la douleur pour montrer que je peux aller très loin, même en ayant mal.